Que mûr. Renseigne-toi avant de dire des choses. Oh le relou. Oh c'est bon, je vois quel personnage t'es. Central, fin de série. Non, mais c'est juste que je suis dans mes droits, vous le savez. Oui, bah d'accord. Quoi, c'est le parfait personnage un peu casse-couille? Non, pas du tout. T'as raison d'être comme ça, mon petit, t'as raison. T'iras loin dans la vie. Allez, tiens. Bah, je vais te policier comme vous dès demain. Tiens, Kinder Bueno, allez, dégage. Merci pour ton manque de respect, c'est très mature de ta part. C'est très gros. Du coup, je disais, je vais être policier comme vous demain. Ah bah tant mieux, dans la division Lucie ou je sais pas quoi, la truc de moto. Ah, ah intéressant. Et tu vas attraper qui avec ton petit 50 là? Bah, mon 50 il trace, hein. Oh, bah non, ça va, ne trace pas. Ouais, ton Santana. Ah bah ça va, c'est son taille, hein. Ça va, ton Santana. T'es plus mis à pied, Santana. Ça va, tout va bien. Ça va être toi, t'as bien baisé sa mère. Ça va être toi, Santana. Ça va être toi. De quoi, j'ai dansé. Ça va, beau gosse. La meuf, elle a dansé hier pour toi, non? La tête de ma mère, j'ai donné 250$ et je regrette pas. Elle a bien dansé. Oh, sale gros chien, tu m'as pas dit. Moi, j'ai payé 100$, moi. Mais non, il y a eu deux meufs, il y a eu deux meufs, il y a eu une danse. Non. Il y a eu une danse gratuite. Après, j'ai eu la danse payante et ensuite, chez moi, j'ai ken une meuf. La gueule, toi, t'aimes les hommes. T'as payé pour ken une meuf. Tu connais pas ça au club de striptease? Ouais, en vrai, c'est sympa. J'ai été hier, c'est son cool, les femmes. Ouais, elles sont cool. Mais c'est bien, t'as payé 250$. Non, mais c'est pas toi, on t'a payé. T'as pas sorti de ta poche, arrête de mentir, t'as dit un gangster de te payer, il t'a payé. Ah, vas-y, tu retournes. Voilà, t'as vu. Ouais, on va repartir. Même celui avec les beaux cheveux là. Santana. Viens avec moi. Parle à moi. Non, vous avez pas de cheveux, vous. Et parle à qui? Faire un tour. Je sais pas, mais ils sont partis où les deux autres là? Je sais pas, ils ont retourné la tête, ils sont faufilés. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais que là, je pense que ça va bouger, hein. Où ça? Bah, tu connais Cooper. Généralement, arrivé vers 23h et quelques, les gens ils bougent un peu. C'est vrai. Genre, que 23h30. 21h c'est calme, 22h les gens ils se réveillent, ils font leur premier plan et 23h ils commencent à mettre tout en route. Là, ça va bouger là. Il a fait un rire de fumeur. Par contre, le petit c'est un relou, c'est ça? Bah. Il aime bien avoir le dernier mot. Ah ok, je vois. Zoé? Oui? Oh, j'ai besoin de toi, la femme de ma vie. Oh, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais est-ce que tu pas, connais ouais. Quelqu'un qui pourrait combler l'amour de 82? C'est qui 82? Il est à l'arrière. Oh, ah non, non, ça va être compliqué. Dans le bar, hein. Mais attends. C'est parti les gars. Attends. Pourquoi tu l'as regardé après t'as dit non? Ouais, c'est vrai ça, pourquoi tu non, fais ça? Non, pour... non, moi non, parce dit que je l'ai arrêté plusieurs fois. T'as dit c'est parce que hier il m'a fait la misère, ce monsieur. OK, mais Zoé, regarde, c'était peut-être mérité. Là, il est dans sa situation où il est vraiment en mode énervé, tu vois. Il faut qu'il trouve l'amour. Et en gros, vous avez quel âge? Avec un grand A. 27. 27 ans? Il est trop vieux, c'est ça? Ah non, pas du tout, non, au contraire. Alors, 27 ans, vous pouvez sortir de la voiture? C'est peut-être une amie pour vous. Non, pas une amie, un ami. C'est un ami. Ah, mais j'ai tout ce qu'il vous faut. Mais fallait me dire avant. Mais c'est parfait. J'ai tout ce qu'il vous faut. Vous préférez quoi? Blond, brun? Vous préférez comment? Peu importe. Zoé, monte avec nous, Zoé, on doit en discuter. Attendez, j'ai mon numéro à Jonas. C'est urgent, de fou, genre. Tenez, 023. Bonjour. 023. Ah, le RP, il a aucun sens. Tirez 43-75. Envoyez-moi un petit message. Oui, mais. 43-75. J'attends votre appel. C'est totalement ouvert. Oh, il est mignon le petit blond là. Tu connais combien de gars à peu près? Alors, moi je connais un petit jeune, un geek. Ça t'intéresse les geeks? Un petit jeune, attends, petit jeune, c'est quel âge? Petit jeune, ça fait peur là. Ça dépend quel âge. 22 ans, je crois. 2 ans. Il en a 27, ça va. Ça va, c'est bon. C'est quoi tes critères 82? Tant que le feeling passe, moi ça me va. T'as dit quoi? Vas-y. Tant que le feeling passe, ça me va. Non mais tes critères, mais... c'est quoi tes critères En fait, genre regarde, moi par exemple, je sais que je veux une meuf qui soit entreprenante. Genre elle ait des loisirs, elle est une entreprise, c'est genre elle dépend pas de moi. Bah toi tu dois bien avoir ce genre de critères. Genre t'as bien besoin de quelque chose, tu veux pas d'un problème dans ta vie. C'est un peu plus normal qu'il soit indépendant. Oui mais du coup ça fait partie des critères et ça faut que tu le dises. Alors moi déjà j'ai une petite question. Vous êtes un homme timide ou pas? Pas vraiment non. Ok, je donc suis pas non plus très loquace. Ok. C'est votre première relation ou pas? Non. Vous avez fait des relations longues ou pas? Oui.
Combien de temps la plus longue? 3 ans. Ok, est-ce que vous êtes encore brisé ou pas? Non, ça fait déjà plusieurs années. Ok, déjà ça c'est un bon point. C'est quoi cette question? De quoi? C'est quoi cette question? Est-ce que vous êtes encore brisé? Je sais pas, c'est elle là. Moi je réponds, hein, c'est elle la pro. Non mais écoutez, c'est normal, c'est pour savoir quel genre de type de mec il lui faut. Est-ce qu'il lui faut un mec pour le dévergonder, en mode pour lui faire oublier son ex, en mode qui passe une nuit torride? Il veut du sérieux. Ok. La demande de backup, c'est uniquement pour. Alors je regarde. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un, ouais. Vous pensez à qui? Alors... Vous êtes plutôt. Genre physiquement, c'est que le feeling, on s'en fout du physique. T'es claqué, Zoé, je trouve, hein. Tu veux pas Mais je suis en train de réfléchir en même temps. Mais tu penses à qui comme mec? J'ai un mec qui s'appelle Ice. Ouais. Ah bah putain, Ice. On en a entendu parler de lui. Ice? Ouais, c'est le Ruby, elle nous en a parlé, elle a dit qu'il était sur Ah oui, Ice, oui, c'est vrai en plus. Il est plutôt beau gosse, ouais. Il est musclé, ouais. Baraqué, il a des dreads blondes, okay. Tressées. Franchement, il est mignon. Ah ouais, mais le problème, c'est que c'est lui l'actif. Et là, il va passer passif là, avec le gabarit que t'es en train de me dire. Ah mais je sais pas, vous échangez après, non? Ça marche comme ça. Hein. Après, je pense que c'est ça dépend du mood. Ça dépend du mood, voilà, exactement. Eh, pas de bêtises ici, hein! Vas-y, roule! Avancez là! Non, pas de bêtises, hein! Bébéto, jetez un œil! Jetez un œil, Bébéto! Jetez un œil! Je t'envoie un message. Et toi, Zoé, c'est comment au niveau couple là? T'es célibataire ou en couple? Ah, moi, rien du tout, hein! Les mecs, c'est no way, hein! Ok, mais tu fais quoi ce soir concrètement? Toi aussi, les meufs, rien du tout! Le nord! Eh bah, si tu fais rien du tout ce soir, je t'invite à boire un verre si tu veux! Ah ouais, tu m'invites au resto, Santana? Vas-y, je t'invite au resto si tu veux! Ok! Je paye rien. C'est pas un michetot, t'as vu? Ah la michetot! Ah mais je suis bien. Hein. Ah Satanas, tu dis rien. Satanas, tu dis rien. Non, parce que moi, au quartier, un peu sorti. Ah mais je paierai la moitié, c'est normal. Voilà, là, c'est bien, là, ça me plaît. Ah disco. Bah c'est bon, là, c'est plus de michetot. C'est pas le michetot. Eh, on vous a l'œil, vous, hein. Attention, les bêtises. On s'en bat les couilles. Attention. C'est qui là? C'est collègue? Ouais, la Marie. Ouais, sinon, Geek, ça t'intéresse? Ça vous intéresse ou pas? Capitaine, j'ai un ami qui s'appelle Eugène et je crois qu'il aime les hommes. Je suis pas sûr. 400 mètres! Ah. Vous m'entendez? Je le rencontre. Ah, désolé, petit problème de mon côté. 400 mètres! Et j'ai plus son numéro de téléphone. Ouais, je suis là. Putain, tu vois moi? Cooper, ça va? 82 Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Cooper? Frérot, je suis... Elle est investie, je suis mort. J'ai pas entendu... Non, disais les geeks, ça t'intéresse? J'ai dit pourquoi pas. Bah écoutez, moi vous m'avez donné une mission, je la fais, hein. Chloé, tu l'appelles? Tu l'appelles? Ouais, Zoé, tu l'appelles et comme ça ils prennent rendez-vous là, direct. Ouais, mais j'ai pas son numéro. Bah on va te déposer au bar, fais tes recherches et tu m'appelles quand tu l'as, ok? Vas-y, tu nous dis, hein. C'est urgent d'être urgent. Oui, enfin, je vais essayer, quoi. Genre là, dis-toi que tu peux sauver quelqu'un de tous ses problèmes de sa vie. Il redécouvre l'amour. Mais pourquoi vous faites pas un compte Tinder et vous mettez le drapeau LGBT dans votre description? Non, parce que lui, il vient un peu dans l'ombre, lui, il vient un peu dans l'ombre. J'ai pas envie d'être un fer de lance de quoi que ce soit, je fais ma vie C'est-à-dire fer de lance, c'est-à-dire mon frère. Non mais il veut pas être, tu vois, à chaque fois on parle de ça, c'est son nom qui sort, tu vois. T'as raison mon frère, t'as raison. Bah après, ça peut être une sorte de fierté d'être le fer de lance de quelque chose, tu vois. Au moins, vous êtes une bonne cause, quoi, c'est bien. Et toi Zoé, c'est quoi tes causes ces derniers temps? C'est quoi ta cause, Zoé? Ma cause en ce moment, pas grand chose. Hein. L'oseille? Non, ça m'intéresse pas l'argent. Hein, peut-être. Par contre, je m'y chute personne, hein, c'était une blague. Hein. Ah, ok. Ouais. Vas-y, du coup. Oh, il y a des bonnes techniques qui ont été tentées la dernière fois. Hein.
Comment ça? La voiture, la technique de la pleureuse, il y a des bonnes techniques. Non mais c'est bon, monsieur, vous abusez, vous m'avez arrêté trois fois hier, c'est bon. En même temps, on reste sur le domaine professionnel. Non, on reste sur le domaine personnel là, le pro on s'en fout là. Ah, vous voulez voir ma nouvelle voiture? Hein? C'est la petite blanche là-bas, elle est pas trop belle. Je te jure, j'en ai rien à foutre. On s'en bat les couilles, ta voiture de Mr Bean. J'en ai rien à foutre. Elle nous ramène une vieille voiture de Mr Bean, elle croit à déchirer. Vas-y, fous le camp, frère. Putain. Mary Poppins. Donc, normalement, si tout va bien, 82. Toi, par contre, tu devrais pas insulter, hein. Parce que c'est peut-être grâce à elle que tu vas la pécho. Non, mais je l'insulte pas, c'est juste que voilà. 82, si t'es en couple, peut-être dans la semaine qui arrive. Tu nous oublieras pas, s'il te plaît, ok? Et tu nous balanceras pas aussi, hein? Et tu nous balanceras pas aussi. C'est pas gratuit, quand même, tout ce qu'on fait pour toi. Ouais, j'ai bien capté. Ah, je suis content, 82, qu'on ait trouvé un truc. Bonjour, Captain Blake, on vous attend en poste, du coup. Putain, mais ils veulent pas se bouger un peu, là, les gangsters? Vendre deux drogues, je sais pas, un truc. De fou, y a que des véhicules. Non, en mode j'ai le temps. Ils veulent pas tirer ou je sais pas, faire des trucs de bonhomme. Il y a deux jours ça a tiré, hein. Oh d'ailleurs, j'ai pas de munitions, c'est où ton shop des munitions? Faut demander au commandant, mais je sais pas si on en a beaucoup des munitions, hein. Ah mais moi je sais pas, je me suis réveillé, j'en ai plus. Faudrait que tu demandes. Ça t'a pas fait ça? Bah c'était à l'ancienne, hein. Ça attendait de voler une voiture juste à côté, les gars. Ah ouais, la voiture qui est faite de tête là. T'as raison. Elle, c'est lui. Arrête-toi, mécano. Il est con. Regarde, attends, merde. Là, je sais ce qu'il est où il va. Et où il va revenir à la voiture, je pense, non? Fais le tour là. Il est resté. Il a pas bougé. Mais non, il l'a pas ouverte. Non, il est monté derrière le muret et je pense que c'était pour nous frapper. Derrière, il y a un mec aussi. Bah, c'est son pote qu'on va choper. Non, mais regarde, il y a un mec qui vient de courir là. Je viens de le voir. Là, un mec il rentre dans la voiture là, non? Attends, mais putain, y'avait deux mecs, ouais! Y'a fille, y a un mec dans la voiture là. Il s'est barré avec le 4x4. Tu peux aller repartir. Là, le 4x4. Je vais décrire un petit peu plus tard, ouais. Ok? Toujours sur place. Ouais, on va se mettre sur le côté, vos gosses? Ouais, y'a pas de soucis. Commandant pour 02, arrêtez de prendre les mécanos pour vos chiens, ils sont pas vos petits. C'est votre véhicule? Ouais, bien sûr, celui-là c'est le mien. T'as les papiers et tout? Voilà, je les ai pas sur moi, je les ai oubliés au camp, tu connais. Tu les as pas? Non, là je sais pas là. Bien sûr, mais je crois que j'ai laissé toutes mes affaires là-bas parce que je suis parti en express pour aider un ami. Bah, du coup, tu vas marcher. Ouais, je peux pas, vas-y, bah ok. Attends, elle marche, hein. Pour faire le tri dans les factures qui sont impayées. Attends, c'est juste lui derrière. Plus d'une semaine, convoquer les personnes. La plaque, c'est 48 PM. Bonsoir. Arrête-toi. Putain, j'ai presque failli l'avoir, hein. Je vais rien leur faire. On va rien faire. Mais putain. Oh non, attends. Putain. Bon, oh la tête. Va le courser. Je suis parti, hein. 4. Ah, le bâtard, je sais pas, il est où. Mais attends, comment il t'a semé? Ah, il est là, wesh. Ah ouais. Ma fait des pêches. Vous l'avez vu? Mais je vous jure, tiens, je l'ai pas vu. Là, en bas. Il va monter dans le véhicule, il va monter. Rodak, Captain Blake, je pose tout en salle de saisie. Pardon, vous pouvez répéter? Je pose tout en salle de saisie. Ouais, s'il te plaît, tu me le ranges correctement parce que je sens qu'il va pas revenir de suite. Il est où? Il a dû monter là. Il est là. Voilà. Quoi, salope. Hey, il court, hein. Il est chaud, hein. Tu cours. Tiens, j'en mets un autre, c'est gratuit. Bon, c'est quoi ton prénom? T'as déjà vu, toi, hein? Ouais. On te connaît, toi. Ouais. Ah là, t'es bien connu de nos services. Je te vois tous les jours au commissariat, toi. Je te jure, j'ai rien à voir dans ce vol. Moi, on m'a dit, j'ai un plan gratuit pour avoir des véhicules. Ouais. Et alors? Donc j'ai suivi le mec.
Il m'a expliqué comment avoir le véhicule et voilà. Ah ouais. et donc t'accroches tel véhicule. Moi je pensais que c'était légal. Ah ouais. Ah tu pensais que c'était légal de couper des fils et de les remettre ensemble et tout. Bah oui, c'est de l'électricité. C'est électricien. Eh ben. D'accord. Ouais, et on fait quoi toi du coup? Bah après moi je peux repartir. Ouais, si on n'a pas envie. Pas. Eh, ça serait ma troisième fois au commissariat aujourd'hui. Troisième? Et tu te poses pas des questions sur ta vie, non? Peut-être qu'il faudrait que j'arrête. C'est quoi? Regarde, hein, tu vas te casser et tu prends pas la moto. Il y en a un autre. Viens, vite. Merde. Vous l'avez pas eu? Ouais. Non, il est parti. Le bâtard. C'est bon? Il est où? Vas-y, on arrive. Oh, toujours au niveau des barres là? Vas-y. 82, va falloir que tu prennes une fin de service, beau gosse. Ah oui, carrément. Bah, si tu veux, mais il y a un rendez-vous qui t'attend, quoi. Ah, ok, je viens de capter. Vous avez compris? J'ai pas compris. Bah, dépose-moi au commissariat que je pose tout l'équipement. Deux secondes. 11 pour 22, est-ce que tu me reçois? De Black pour 02, est-ce que tu peux m'appeler sur mon téléphone s'il te plaît? 10-4. Dispatcher pour 11, est-ce que vous pouvez répéter? Comme tu veux, 82 hein. Mais soit mais je t'ai dit de Eh, la prochaine fois, vous évitez de voler des véhicules. On a rien, on n'a jamais... Menteur. Ah ouais, c'est ça ouais. Je suis là, j'ai juste un petit problème. 22, je t'attends sur... Il a crevé devant nous là. Sérieux? Attends, revolé un véhicule? Non, c'était notre véhicule. Vous avez percé le pneu? Mais oui, mais toi t'es con en fait. Il y en a un avant toi qui a volé un véhicule. J'ai crevé le pneu pour éviter qu'il le reprenne et t'as quand même repris ce véhicule. Ah, je suis mort. Comme quoi, des fois? Il est con lui. Non, mais il est double mon con. Ah, j'ai fait l'ordre. Putain. C'est quoi ça? Ta gueule. C'est quoi du coup 82? On te dépose au bar, tu gères? Du coup tu gères 82 non. Ou... Non, dépose-moi au commissariat que je dépose tous les équipements et j'irai juste après. C'est bon, personne va te cramer. C'est bon. Non, 82. Là en disant ça, c'est sûr que t'as une balance. C'est sûr. 82. Non. C'est sûr. Alors non. 82, change ta tenue, change ta tenue dans le véhicule là, déshabite-toi, on va pas te regarder. Change ta tenue, on te dépose devant le bar, on va te regarder. Vas-y. Tango 14, 19. Allez, change ta tenue. C'est fait. Voilà, beau gosse. Ah, c'est qui Zoé? Salut. Bonsoir, bel étalon. C'est qui le mec? Tu ferais l'aventure. La tête de ma mère, que non. Remets ta tenue. Remets ta tenue tout de suite, 82. Remets. Ouais. Remets la tenue, remets. Non, pas ça. Moi vivant, tu t'iras pas d'être ce mec. Non mais Cooper, t'as vu le guet-apens? Attends, mais elle a pas dit un grand mec balèze. Mais la tête de la mère aussi. Oh non. Attends, Mets pas les pimpons. Non c'est bon, on est déjà assez de deux unités, 54 CRA. Ok, discope. Putain, j'ai pas entendu, je sais pas si... On a Marie qui est avec moi, t'as 0 en main s'il vous plaît. Attends, mais elle a pas dit je connais un mec balèze dans le secteur 54. On va attendre, hein. Oh, je suis mort. Je connais un mec. Les criminels là, ouais, ciao. Sur le parking. Je connais un mec balèze. Un petit truc, je sais pas. Hop là là. Et Marie, tu prends les qui va en premier. C'est petit des individus, mon commandant. Mais c'est Spider-Man là qui a lâché un coup de taser ou... Ah, il se passe des dingueries hein. C'est Tom Holland. Un individu avec un sac ou pas, commandant? C'est quoi le bas? Il y a une course poursuite là? Je crois, ouais. Ouais, mais je crois qu'il y avait déjà 3 ou 4 unités dessus là. Ah ouais, putain. Je crois que le commandant il est mal au crâne. Je suis mort. C'est le mec à Elodie. Ah, on m'appelle.
42 pour 32. Ouais, je suis salut. Ah, ce soir, chat, on regarde American Gangster ou quoi? Ah, je sais pas.